Allez, en avant, le cours va commencer. Déjà 6 mois, Coréo est en formation au Centre Paul Corteville. Comme 40 de ses congénères chaque année, cet élève est en train de devenir... chien guide d'aveugle. Encore quelques mois d'apprentissage pour ce labrador qui mémorise les mots et les comportements pour guider en milieu urbain, aux côtés de Jérôme, son éducateur. Une vigilance de tous les instants, Oreo doit adopter la bonne attitude en fonction de la situation et le signifier à son maître. Alors là, on lui a appris à déjà marcher correctement en laisse, en entraînant légèrement en avant pour qu'on puisse le suivre, pour pouvoir passer au harnais après. Ensuite, il marche correctement au milieu d'un trottoir. Il a déjà commencé à avoir un bon débourrage au niveau de l'évitement des obstacles. Il connaît bien sa gauche et sa droite, le repérage des lignes aussi, et également la recherche des escaliers. Ici, chaque chien est unique. En avant. Et on cultive la différence. Très bien. Bien tes lignes, hein, garçon. Tous les non-voyants ont un caractère différent, ils ont un style de travail différent, un style de parcours différent. Et donc en fait, il faut adapter les chiens de cette manière-là. Parce que bah voilà, on a des gens qui vont vite, il y a des gens qui marchent très lentement, il y a des gens dynamiques qui ont besoin d'un chien dynamique, et il y a des gens qui sont peut-être plus âgés ou même jeunes avec un tempérament beaucoup plus posé ou une marche lente parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Et donc le chien devra les rassurer de ce côté-là. Le week-end, Oreo vit à proximité, au sein d'une famille d'accueil pour se sociabiliser. La semaine, il est pensionnaire dans ce centre du nord de la France. Et comme tout élève, il a aussi besoin de récréation. Oui, gamin. Le chien, c'est pas un petit robot. C'est pas une petite voiture que l'on démarre le matin, on part avec, on range au garage. Il faut s'en occuper, il faut jouer avec. Et en fonction des tempéraments des chiens, bah lui, il a besoin de jouer, de s'amuser et avoir un bon contact avec son maître. Donc voilà, le jeu de balle, le jeu de rapport, il aime ça. Et bah, faut en profiter, son envoyant pourra le faire. Les non-voyants ont le droit d'aller dans les parcs publics, de lâcher leurs chiens, à partir du moment où ils ont une bonne éducation, un bon rappel. Pendant environ 1 an, la formation alterne théorie au centre et pratique sur le terrain en ville. Et quand le chien est prêt, il est temps de franchir le pas et lui présenter son maître. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, Nadège et Jerry se sont rencontrés il y a 3 ans et demi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis, c'est l'entente parfaite. On sait tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon la première fois. Moi, Jerry est arrivée chez moi la première fois. Aussitôt, elle a été se coucher sur le tapis. On s'est dit, bon, ben, elle a accepté la maison, tout ça lui convient, elle n'est pas perturbée. Ici, dans l'immeuble, elle a été acceptée tout de suite et elle a été tout de suite vers tout le monde. Presque totalement aveugle, Nadège est une habituée des chiens guides. Avant Jerry, elle a vécu avec 3 autres chiens, formés eux aussi au Centre Paul Corteville. Pour chacun d'entre eux, Nadège n'a rien eu à payer. La prise en charge est gratuite pour le bénéficiaire. À la maison, jeux et câlins ponctuent le quotidien de ce berger allemand et de sa maîtresse. Mais quand il s'agit de sortir, les choses sérieuses commencent. Nadège a elle aussi été formée à bien appréhender les comportements de sa chienne. Tous les endroits, les mots, on a les codes. Et après, sur les obstacles à éviter, comment ça marche? C'est elle qui fait les détours, elle le fait comprendre, elle a les positions d'arrêt, et puis elle me fait comprendre qu'il y a un obstacle, donc je lui donne les ordres pour contourner l'obstacle. Et elle fait bien l'arrêt pour le trottoir à chaque fois. Je suis déjà tombée là. Un suivi est assuré au fil des années par les éducateurs du centre jusqu'à la retraite du chien, décidé généralement vers ses 10 ans. Il faut vraiment qu'il y ait une fusion entre le maître et le chien. Je mets ma vie entre ses pattes tous les jours. Donc il faut qu'il y ait une confiance entière entre le non-voyant et le chien guide. Ça, c'est primordial. En France, 1 million de personnes sont aveugles ou malvoyantes. Seulement 1% d'entre elles décident d'adopter un chien guide.